une des meilleures, des plus belles reliques du jeu, les gars. J'en ai 167, je trouverai jamais de groupe pour les ouvrir. C'est maintenant avec vous ou jamais. On va aller faire ça, vas-y, donne pile, c'est parti, poteau. Alors, vous êtes beaucoup à vouloir venir, comment je fais, les gars? Si je mets un GA, il y a des gens qui vont pas comprendre dans quoi ils s'engagent. Les potes, mettez vos vestiges. Dunpil, je sais qu'il connaît. Mettez vos vestiges, je prends deux qui ont au moins 500-600, s'il vous plaît. 500-600. Solalune, il a 1000. Stupid Waka. Waka, ça te dérange pas, poteau? Je te prends pas, je prends des gens qui ont pas trop de plates, tu vois. Tu vois, par exemple, Shizukanae, il est jamais venu avec nous en relique. Ça serait peut-être l'occasion de l'embarquer. Ça te dérange pas, hein, poteau, hein. Je veux pas te mettre de côté, tu sais que je t'aime, hein. Tu vois, tu m'aimes plus. Oh, écoute, Waka, tu crois que je t'aime plus, poteau? Tu vas faire un groupe avec moi, on va se mettre en compétition. Allez, viens, viens en vocal, là. On va faire deux groupes, les potes. On va faire deux groupes, on va prendre 8 personnes. Viens en vocal avec moi, viens ici. Tu vas voir, je t'aime pas. Tu vas voir qui t'aime pas. Attends. Moi, j'ai Solalune. Panda. Solalune, Dunpil. Snickety snack. Guess who's oh, back. Oh, Chaos Noir, merci. Merci, merci infiniment pour ton soutien, mon poteau. Ça fait extrêmement plaisir, Chaos Noir. T'es adorable. Un grand merci. Hein. Un grand merci pour ton soutien. Hein. Chaos, du fond du cœur, hein, je te remercierai jamais suffisamment pour tout ce que tu fais pour nous ici. Hein. T'es extraordinaire, mon frérot. Shizukanae, je te récupère, du coup. Ouais, ça va être bagarre, là, les gars. Mes Vous amis, connaissez pas ça? C'est son tout premier sub. Bienvenue dans la commune. Kinglesh, merci pour ton premier mois d'abonnement, merci, bienvenue à toi. Bienvenue, merci pour le soutien, mon frérot, un grand merci pour le soutien. Attendez, je remonte pour tous ceux qui ont dit pour leur vestige. Donc il y a Vicious Snake qui va aller. Vicious, tu vas avec Waka, Whippy. Whippy, tu vas avec Waka aussi. Mais 1000 PL pour l'entrée. Et Kuro, tu viens aussi, mon ref. Allez, on a deux groupes, les gars. On a deux groupes. Prends-moi dans ton équipe. Bah, attends. 24. Jean, tu fais une équipe aussi? En vrai, on fait trois équipes? Vous êtes giga chaud, les gars. On fait... Ça veut dire quoi, FF? Ça veut dire quoi, FF? Ça fait grave longtemps. Ça fait longtemps, ouais, qu'on n'a pas fait une giga run comme ça, là. Si tu veux, mais j'ai rien suivi. Bah, tu fais une équipe, je te file à toi les reliques, plus aux gens de ton équipe, et on y va, en fait. On fait trois équipes. Bonjour à Poupi Liquide, ça fait longtemps, poteau. Comment tu vas? Ah, c'est une fissure Steel Pass, les copains. Il y a une lit en Steel Pass, il restait une heure. Il restait une heure dessus. Prends TX, Rainbow et... Mais non, mais je te colle des gens avec toi là. C'est Koh Lanta. Bon, s'il veut pas, tant pis les gars. Laissez, on fait deux équipes et puis la prochaine. Bah, t'es chaud. Bah, putain, il faut batailler longtemps. Allez, c'est bon, il est chaud, Jin. Jin Ferno. Alors, c'était qui ceux qui avaient donné leur vestige encore? Il y avait Fly. Fly, il connaît, il a l'habitude. Ça fait 1000 ans qu'il est là. Galaga Kirisop tier 2, merci. Merci pour le soutien, poteau. T'es un monstre. T'es un monstre. Un grand merci pour le soutien. T'es extra, frérot. Monégas, tu vas dans l'équipe de Jinjin. Tu vas dans l'équipe de Jinjin. Y'a qui d'autre? Il faut un last. Les gars, j'ai peut-être pas bien vu. 300, ça passe? Non, ça passe pas, frérot. Allez, vas-y, Poupi Liquide a l'habitude aussi, les gars. Non, attends, Poupi, désolé. C'est vrai que Lexios, il avait dit qu'il voulait venir. Désolé, Poupi. Lexios, c'est bon. C'est vrai que tu l'avais dit 5 fois au moins que tu voulais venir. Désolé. Il a dit au moins 5 fois qu'il voulait venir, les gars. C'est bon, on a tous les groupes, là. Allez. Les gars, ça va être un peu long. Mais on va mettre un truc à gagner. Shizukanae, envoie ton pseudo, mon ref.
Attends, je l'ai peut-être déjà. Ouais, c'est bon, je l'ai. Allô. Wesh, bien ou quoi ma gueule? Je me suis fait attraper là, je comprends pas. Ouais. Yeah. Viens vocal, Waka. C'est ici pour la bagarre. C'est ici pour la bagarre. Alors, il y a un truc à gagner pour l'équipe gagnante. Il est tout le temps pauvre. Il est tout le temps pauvre, Jinjin, on est d'accord? Ouais. Bon. Je la mange dans mon relais. Je mets pour lui la team. La team qui gagne, elle prend 300 plats chacun de plus. Payé par la pire équipe. Celle qui a fait le moins de gold. Allez, ça part. Ça part ? Bon, je paye pour Jinjin parce que Jinjin est tout le temps pauvre. L'équipe de Jinjin, c'est la pire équipe, les gars. Je paye pour lui. Donc la meilleure équipe, alors c'est pas juste, hein, les gars, parce que c'est l'équipe qui a eu le plus de gold, qui est censée se faire le plus d'oseille, mais en plus de ça, elle part avec 300 plats chacun. Ah, vous êtes engagés dans un truc de ouf, là, les gars. Alors allez, c'est parti, on va faire de la lead V7. Alors je me vote Team Waka. J'ai voté pour moi aussi, mon bœuf, t'inquiète. Ah, il y a une prédit du coup. Les gars, il y a la prédit. J'espère que t'as mis un max de temps, hein, poteau. Hein. Oh, une Energize de la part. Sur la lune, il me donne tout le temps des Energize, les gars. C'est un amour. Tout le temps, il me donne des Energize. J'espère que tu gagnes. Hein. Alors, les amis, comprenez-moi. Hein, c'est une très bonne relique, la Lead V7. C'est une très, très bonne relique. On l'a fait en 2B2, les potes. C'est que du Volt. D'accord? Oh! Mais non, il m'en faut que deux. Attends, donne pile. Frérot, il m'en faut que deux, donne-en moi que deux. Enlève les quatre autres. Tu les donneras à quelqu'un d'autre, poteau. Il m'en faut que deux pour le maxer, mon ref. Non, je t'assure, donne pile. Il m'en faut que deux. V7, c'est pas Vauban H ? Ça vaut cher, hein, donne pile. Ouais, si. Ça vaut genre 40 ou 50 plates unité. Hein. Okay. Il insiste. Donne-le, je te jure, Boto, donne-le à quelqu'un d'autre. J'en prendrai que deux parce qu'il m'en manque que deux pour maxer le mien. Mais t'es un amour. Ouais, je vais pas rester sans 7 ans, je les prends, mais je les donnerai à quelqu'un d'autre. Ah, tu fais clic droit sur une des cases, Boto. Donne-le. Clic droit sur celle que tu veux enlever. Tu vois, par exemple, regarde, moi je veux enlever une lead V7, je fais un clic droit. Et ça l'enlève. Attends. Je remets une V7. Voilà, merci. Ça, je les donne aux Bambi à chaque fois. Bonjour à Ocrovarex, bonjour à Albadia, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, les potes. Dunpil, Shizu. Alors, j'espère que vous avez du temps. Il n'y a pas quelqu'un dans le lot qui va dire « Oh là là, je dois aller manger ». J'espère que vous avez du temps, les gars. Quittez le groupe, les gars, dès que vous avez vos reliques. Il faut que j'invite tous les autres. Ceux qui peuvent venir, ceux que j'ai mentionnés, les gars, il y a Waka, Vicious Snake, Weepy, Kuro, je crois, Jim Ferno, Fly, Monegas, Lexio. Si vous êtes dans le clan, vous venez dans le dojo direct. Waka, Vicious Snake, je crois que t'as le même pseudo en jeu. Ouais, c'est ça. Weepy, je crois que toi aussi, hein. Bah ouais, il a écrit. Weepy, t'as reçu. Donc voilà, ça c'est une relique, les gars. Ça n'arrive jamais, hein, ce genre de relique. Hein. Une relique qui n'a que du Volt. Que du Volt. Wouhou. Pas de format, pas de... Guess who's back. Warrock, merci à toi. Ça va très très bien, toi, ils me donnent trop de cadeaux, les gens. Merci. Merci Warrock, merci infiniment pour le 3e mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien, un grand merci pour ta sympathie, mon ref. T'es adorable. Weepy, il arrive. T'es adorable, frérot.
V7. Ok. Whippy. Allez les raffiner les gars, hein, d'accord. Allez les raffiner. C'est pas grave Kuro. Tu vas pouvoir venir quand même. Quand c'est de la fissure, tu peux inviter les gens. T'inquiète pas, vous pouvez pas avoir l'excuse les gars de pas pouvoir venir en style pass quand c'est des fissures. N'importe qui peut vous inviter même si vous l'avez pas débloqué. Envoie ton pseudo Kuro. Envoie. Ah, tu voulais t'échapper Kuro, hein. Nous on t'a attrapé, tu nous lâches plus là. Hein, ah c'est Haro, ouais c'est vrai. Haro, ensuite... Jinjin. Fly, il est dans... C'est un des premiers à être entré dans ma liste d'amis Fly, les gars. C'est vrai, hein, je vous jure. Allez, Jinjin. Bon, on fera pas ça tous les jours, les gars. Hein, de prendre autant de gens. Oh putain, une Energize les gars, mon meilleur farm d'Energize c'est filer des reliques aux gens. Je suis sûr. Merci Jinjin. Merci Pato. C'est la petite sœur assez de soleil. Fly, ça a peut-être bugué. C'est la petite sœur à celle de soleil. Ah, vous l'avez eu en même temps? Ouais. Ah ok. Ah, Fly il aura pas le temps. Les gars, Poupi Liquide, rappelle-moi ton pseudo Poupi si t'es toujours là. Rappelle-moi ton pseudo, je sais que c'est Call of, voilà c'est ça. Y a Fly, il peut pas rester. Non, 12 run Vicious. En fait, on va faire ce qu'on appelle du 2v2. Il y a deux joueurs qui mettront la relique, les deux autres, ils la mettront la run d'après. D'accord ? Je t'ai invité qui ? 2v2, au Crovarec, généralement, ces reliques-là vaut mieux 2v2. Généralement. C'est les reliques liées à Résurgence, c'est souvent des reliques qui ont 4-5 parts d'intéressantes, tu vois. Haro, c'est bon. Call of, il arrive. Il est là. Monégas et... Il manque Monégas et Lexios. Lexios, je dois t'avoir dans ma liste d'amis. Ok, c'est bon, je vais inviter les deux derniers. Ah, le stock de reliques, il a fondu là, les gars. C'est qui mon last? Et vas-y, c'est qui que t'as pour le moment? Je n'ai pas J'ai Whippy et Vicious Snake. T'as Whippy, Vicious Snake et t'as Kuro. C'est Kuro, tu vois, il vient d'écrire là. Il vient d'écrire merci. C'est, son pseudo, c'est Araw. C'est A-R-A-2-W. Lexios, il manquera juste Monégas et puis on y va. Ah, j'espère que vous avez mis du point les gars, hein. Mettez du point les potes, hein. Go, il reste un petit instant là, vite. Mettez du point les refs, de toute façon vous n'aurez pas le temps de voir une run. Comment ça se fait que Team Panda n'a que 39 000 points? Oh, la trahison ça, hein. Tu sors ma puce? C'est que je t'aime, hein. T'es belle. C'est qui mon équipe à moi? Ton équipe à toi... C'est bah du coup c'est plus Fly, c'est Call of, Monégas et Lexios.
coup, pour les résultats, tu veux qu'on les colle où? Pour pas qu'il y ait de... Ah, je mets à l'écran. Team Panda, Team Jean et Team... Bon, hé, pas de triche, hein. Ouais, c'est bon. C'est à la loyale, hein. Alors, je te mets des screens, sinon, dans le... Non, y a pas de... je veux pas de screen, mais à la loyale, les gars. Je me méfie de Jean. Ouais, moi aussi, je me méfie de Jean. C'est attendu. Allez. T'as retenu les joueurs Salut Adams, salut à Xater et bonjour à Barlox aussi. J'espère que vous allez tous bien. Ouvre ton chat et je vais leur pseudo comme ça, sur le live. Ah, alors, tu as Monégas, ici. Ouais, c'est bon, je suis déjà invité. Tu as Fly, il a dit qu'il venait pas. Shizu Kanae, tu viens avec moi. Dunpeel, attends, je me fais mon groupe en même temps. Dunpeel, Solalune et Shizu. Tu as Monégas. Tu as Koloff. Il est là. Et t'as Poupée Liquide, il me semble. C'est Poupée Liquide, c'est Koloff. Monégas. Et tu as Lexios 4 ici. Je viens de finir mon premier trio Eidolon en solo. GG Orxo. GG à toi mon poteau. Il a fini son premier Eidolon, le poteau. C'est bien. GG à toi mon frérot. Un immense GG. Allez, c'est le premier d'une longue série. Hein. Je compte sur toi Orx. Hein. Dunpeel, t'inquiète pas, ça va marcher. C'est juste... des fois ça coince un peu. Ne t'inquiète pas. C'est la team qui a le plus de gold, les gars. C'est quoi la meilleure frame pour faire les missions route de l'acier et armes? Bah, si t'as du mal à survivre B12, bah tu prends revenant. Mais si t'as pas de mal à survivre, pour faire toutes les missions, moi je pense que tu prends Sarine Buffer, hein, poteau. Sarine Buffer, c'est trop bien. C'est trop fort, tu vois. C'est trop puissant. Je peux te faire une démonstration tout à l'heure si tu me le redemandes. Tous les gens qui n'ont pas d'Energize en pleurent en les voyant donner comme offrande. Mais non, mais je le mettrai à gagner, James. En fait, James, regarde. Je peux avoir mes 30 formats. Il y a quelqu'un qui a demandé 30 formats sur le chat et je ne l'ai pas vu. Vous pouvez juste me confirmer, les gars? Oui, il y a quelqu'un qui a demandé les formats. Ah ouais, vas-y, je te les envoie, poteau. Désolé, j'ai pas vu, hein. Attends. Il y a 40% pour ma team. Wow. Calm down. Moi, je sais qui c'est qui a parié. T'as envoyé, poteau. Bon, allez, prenez des builds, les gars, n'oubliez pas, c'est en steel pass. Ah, je vais prendre Mirage, les gars. À la chill. Mirage, Brahma. Mon ref, ça part pas sur... Let's go. Ok. Pour GG, ça. Hop. C'est la mission. Vertu nourriche, voilà, je prends celui-là. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Il me faut les... Ah, Total Eclipse, j'ai tout, là. J'ai tout. Il faut juste que je mette l'antifa corrompu. Ça va tout éclater. Regardez, tu veux voir comment faire le style pass facilement, mon ref? Regarde. regarde bien. Oh, c'est un bulle basique. Vas-y, c'est bon, ça passe. Il n'y a pas d'antifaction, mais c'est rien. J'ai Eclipse et Nourish, les gars. Smita. Tout le monde a raffiné les reliques. Tout le monde a expliqué à sa team comment on faisait le 2v2. Là dans la mienne, les gars, c'est Dunpeel et moi en premier. Et après Shizu Kanae sur la lune à la prochaine, d'accord? Allez, c'est parti! C'est parti les potes. C'est pas chill, c'est le carnage. Bon, là, j'ai sorti le Giga Stekos pour regarder le stream. Let's go, le web.
Avec plaisir, Dazarka. Désolé, j'ai pas vu ton message, hein, poteau. T'as un amour, Stézobaned. T'as un amour, poteau. Ah oui, j'ai oublié. Attends, je peux vous le dire là. Hein. Arcade Energize. De toute façon, j'en ai une. C'est la maxée. J'en ai 6, les gars, pour le moment. Il faudrait que je mette les Praidos. Voilà, tu cours et t'éclates tout. Ah, j'ai un problème avec un des petits de ma team qui ne peut pas lancer apparemment. Ça l'a kické instant. Ouais. Quand tu lances, t'es sûr, tu lances bien la fissure, hein. Ouais. C'est Kuro. Mais je pense qu'il a pas débloqué le SP et c'est ça le problème. Non, c'est Aro. Mais normalement on peut, hein. Fissure, à moins qu'il l'ait changé et je suis pas au courant, tu vois. Bah écoute, je relance, je refais un test. Hein. Oh là. Ouais, c'est la kické. C'est laquelle la plus chère? Je vais prendre les BP de carrière. Comment on peut faire? Non, je peux pas start. Ok. Il n'y a pas une normale entre temps qui a pop, hein, on est d'accord? J'ai pas vu. Allez voir. Au pire, on part en normal et ça pourrait être bon, mais attends. Non. Non. Ah, il va devoir donner ses reliques à quelqu'un d'autre. T'as pas un pote, Kuro, là, qui a débloqué le Steel Pass et qui peut venir à ta place? Ouais, t'as pas un pote, quelqu'un qui peut... ou alors quelqu'un sur le chat? Si tu peux faire le trade vite fait avec lui. On va faire juste une pause, les gars, le temps de faire ça. Ouais, même moi, je dois faire une toute petite pause pour descendre le truc et j'arrive. Vas-y, on fait une pause en speed. Je peux si elles sont rad. Tu les as toutes rad déjà, Kuro? Elles sont raffinées du coup. Je t'envoie... Je te filerai des trucs au pire. Attends, non mais bouge pas. Kuro, je t'envoie... Je t'envoie 15 formats. C'est le prix de tes vestiges. C'est le prix de tes vestiges. Wouhou! Snickety snack, guess who's back. Merci à Barlox, merci à toi. Il y a le sauvetage en lit, hein, sinon... Merci pour le sub offert, t'es adorable. Merci Barlox. Il y a le sauvetage qui vient de pop en lit. Ah ouais? En normal, ouais. Ah bah c'est bon. Il y a Linéa et Martialis. Ah bah non mais les gars, bah Kuro il a gagné... T'as gagné 15 formats, mon frérot. Écoute, c'est bon, apparemment il y a une bonne mission qui vient de pop. Il y a une bonne mission qui vient de pop en normal. Allez. On peut y aller, les gars, on peut y aller. C'est pas grave, vous aurez plus de retard que nous, mais c'est rien. De toute façon, on s'attend pas, les gars. Hein. Faites vos runs. Et on verra à la fin, dès que vous avez des golds. Je le mets à l'écran là. Dès que vous avez des golds, on les rentre. Hein. Ok? Yes. Allez, c'est parti. Ah, t'es adorable, Barlox. T'es adorable. C'est bon. Ouf. Allez, tu peux y aller, poteau. Ça y est, ils ont une bonne fissure qui vient tout juste de pop. Ok. Parfait. En quoi? En lit? Ouais. En normal. Ok. Mais nous, on est des bonhommes, on part quand même en steel pass. Attends, justement. S'ils veulent faire SP au normal. Ok.
Papy Gérald. Les petits déj de papy, c'est quelque chose, hein, les gars. Commencer la journée avec un petit déj de papy, c'est dur, hein. C'est dur. Ouais, tu vas, Darkthing, tu vas sur le site de Warframe, tu sais, warframe.com, tu vois, et tu te logs dessus, d'accord, donc t'as accès à ton compte via le site de Warframe, ok, et t'as un truc, changer de pseudo, ça va te coûter 200 plates. Non, tu rends pas, t'inquiète pas, Kuro, profites-en, profites-en, frérot, ça y est, c'est le destin, écoute, faut jamais aller à l'encontre du destin, le destin... Il a fait que tu les as dans les poches, va t'amuser frérot. T'inquiète pas, ça va pas nous manquer. Mais si tu veux avoir bonne conscience, j'en fais gagner, je fais gagner à 3 personnes 15 formats chacun, comme ça t'as bonne conscience, tu vois. Tu veux avoir bonne conscience, Kuro ? Le jour où j'ai ajouté, j'aurai 200 plates à perdre, je changerai mon pseudo peut-être un jour. C'est quoi actuellement ton pseudo, Barlox ? Vouloir absolument le changer. Dans l'est de la France, c'est possible, j'en connais qui trempent leur jambon beurre dans le café. Ah bah lui, c'est le pâté de foie là. Papy Gérald, c'est quelque chose. Hein. Dans le café au lait. Ah ouais, je te jure, il me tue à chaque fois qu'il dit ça, j'ai mal. Je souffre. Mon cocoro, il est pas bien. Hein. Quelle idée d'ouvrir une boîte de pâté de foie de bon matin, tu vois. C'est agressif. Miser. Salut mon panda, comment vas-tu? Ça va très très bien et toi mon Miser, un grand merci pour ton 4e mois d'abonnement. Hein. Merci, merci infiniment pour le soutien, merci de ta sympathie frérot. Un immense merci pour le soutien. C'est ouf, c'est génial. Les gars, franchement, j'ai jamais eu un live où vous avez autant sub. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Hein. Un grand merci à vous les potes, hein. Un grand 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 merci, hein. Je vous kiffe. Je vous kiffe de ouf. Merci à toi mon Miser. Hein. Un petit HBP. C'est Aleka Frame, Darkthing. C'est une match d'Aleka là, qui a eu lieu, mais il faut avoir le jeu en anglais actuellement pour y accéder, mais le connaissant les gars, c'est une histoire de temps avant que la version les FR ils y aient accès eux aussi, hein. D'accord, au pire tu passes ton jeu en anglais et tu pourras avoir toutes les infos sur les Riven. Je referai une petite démonstration pour vous montrer tout à l'heure les gars. Salut à Cernos, bonjour à Master Twitch, comment allez-vous les potes, ça va ou quoi? Si tu fais point d'exclamation Aleka, Darkthing. Fais point d'exclamation à l'EK et... Ah bah parfait, parfait. Bah fais point d'exclamation à l'EK et tu le télécharges, poteau. T'as un lien là directement sur le chat. Ah t'es adorable, Miser. Mais moi aussi frérot. Moi aussi de ouf. C'est dingue, hein, poteau. Mais j'ai l'impression de recevoir beaucoup plus que ce que je donne. Ouais, sur Overwolf, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et profitez-en les gars, hein, si vous avez des questions ou quoi, là on fait en mode chill. Hein. Dès que les copains ils vont drop un gold, ils vont le dire. Hein. Pour l'instant on a rien de carrière, c'est mieux qu'on est. Ouais, bon, t'as dû faire deux runs toi pour le moment. Non non, une. Une seule, bah voilà. Donc qu'on relance tout. Ah ça va alors. Qu'on sache qui va raquer là. Qui va raquer. Personne drop. Oh putain, si personne sur les 3 teams, personne drop, je crois que je fais un ticket au support. Je fais un ticket au support et je leur dis, écoutez les potes, si les goals ne peuvent plus du tout dropper, comment on fait en fait? Je vais rien dire, j'ai ouvert 10 G1, sur les 10 G1 j'ai rien touché. Hein. Imagine, t'aurais pu les vendre 600 plates. Hein. Ouais. Imagine. Ça dégoûte. Hein. Allez, encore un petit HBP. Moi, ça me fait un 7 à chaque fois, hein, les gars. Ouais, non, sur Google, c'est bien aussi, Darkthing.
T'inquiète. Non, non, c'est pour avoir le truc avec les Riven, Dunpil. Pour avoir le truc avec les Riven. Moi, ça marchait pas sur la version FR. Il y a plein de gens qui ont dit sur le chat que ça marchait pas pour eux non plus. Quand tu es gentil, la vie te le rend. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une philosophie de vie, les gars. Faut jamais s'arrêter d'être gentil. Jamais. La vie vous le rendra toujours. Pas tout de suite. Pas tout de suite, les gars. Des fois, il faut attendre longtemps. Mais la vie vous le rend toujours, les potes. Le week-end s'est bien passé, ouais, de ouf. C'est trop bien. C'est reposé, on a soufflé un coup. Ça a fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça faisait longtemps, les gars, que j'avais pas pris... Ça faisait, les gars, facile, plus d'un an. Hein. J'avais pas pris un week-end comme ça. Je fais tous mes lives toutes les semaines, je m'arrête jamais. Bon, là, normalement, j'étais censé streamer le jeudi, mais... J'ai juste pas eu de bol, tu vois. Problème de voiture, ça, les gars... Faites pas comme moi, hein, les gars. Hein. Quand vous voulez partir en vacances... Vous faites les révisions de la voiture des semaines avant. D'accord ? Comme ça, s'il y a un problème, bah vous avez des semaines pour vous organiser. Moi, j'ai attendu la veille. J'ai attendu la veille. Tu m'étonnes. Bon, vous trouvez intéressant aussi la compo là, Mirage Brahma les gars. ça c'est une compo cancer. Hein. Vous faites un sondage au niveau de la communauté, vous dites les gars, pour vous c'est quoi la compo la plus cancer? Ils vous disent n'importe quoi avec Brahma les gars, ou n'importe quoi avec le Zar, n'importe quoi avec le ton corps. Ça c'est les compos cancer parce que c'est trop efficace. Et dans la croyance de beaucoup de gens, bah ouais, il faut viser, tuer les ennemis un par un. Ce que je déteste en fait. Oh yeah. C'est pas par là. Bonjour Arunaku, Anunaku. Salut, c'est un mod qui te donne le prix des sets quand tu ouvres une relique. C'est un petit programme qui s'appelle Aleka Frame, poto. Tu peux récupérer sur Overwolf et tu peux avoir plein d'indications, plein d'informations et beaucoup de gens l'utilisent. Alors vraiment, tu peux faire beaucoup plus de trucs que simplement avoir les prix. Hein. Tu peux gérer tes stocks, savoir un peu où tu en es au niveau du farm des frames. T'as vraiment beaucoup d'infos dessus. Hein. Tu fais juste une mission Darksing et ça se synchro direct. Tu fais une mission et quand tu vas extraire de ta mission, il va se synchro. Si, on l'a vu, Miser. Ou peut-être que t'as fait un autre truc et il faut que t'actualises ta page. C'est possible, non? Parce que je vois qu'il y a 3 étoiles qui ont pop sur ton pseudo, chose que tu n'avais pas avant. Donc peut-être qu'il faut que tu actualises. Ah bah oui, je vois ça, je vois qu'il y a 3 étoiles qui ont apparu, mais je crois qu'il faut que tu actualises ta page. Mec, t'es un monstre, Miser. Merci, hein. Merci pour le sub T3, t'es incroyable, mec. T'as sub et après t'as directement sub T3. Ah, ou peut-être qu'il faut que t'attendes l'anniversaire de ton sub, peut-être. C'est possible. Pour pas que t'aies à payer deux fois, tu vois. Avec plaisir, Anunaku. Bonjour à Luxuris aussi qui est là. Perso, je joue Zar et Kulstar. Ben voilà, très bien. C'est très bien, poteau. Tu dois rouler sur le jeu, très probablement. Bonsoir, Panda. Je suis le mec qui t'a MP hier. Pseudo, monsieur... Ouv. Ah bah, c'est possible. Tu sais, Trixie, Twixie, par jour, c'est bien une centaine de MP que je gère. Je peux pas forcément me rappeler de tout ce que je dis avec tout le monde, tu vois. Ça devient difficile, les gars. Mais je réponds à tout le monde, hein, je réponds à tout le monde. J'ai passé un cap, les gars, c'est d'arrêter de formuler des messages systématiquement. Maintenant, quand je sens que la conversation est finie, je mets juste un emoji cœur. Voilà. Petit emoji, ça veut dire ravi de t'avoir aidé, ravi d'avoir discuté avec toi. Et je passe au suivant.
T'es ressourcé, tu pourras faire le palier 1 à 30. J'espère en janvier, les gars. Palier 1 à 30, j'espère en janvier, les potes. On a quasiment, d'ailleurs, il faut qu'on se capte, Jinjin, à l'occasion. On a quasiment fini tout ce qu'on voulait faire avec les bots et tout ça. Je pense qu'à un moment donné, les gars, je vais charger la chaîne secondaire de ouf. Je vais envoyer à chaque fois les dérushs et tout ça, je vais faire ça vite. Pour vite me préparer, au mois de janvier, on le fait. En fait, les gens qui peuvent se dire, mais tu prépares quoi, en fait? En fait, le truc, c'est que je veux pas faire... en fait, je veux qu'on fasse un stream et que tous les sujets qu'on a évoqués pendant ce stream, je fasse directement les vidéos qui sont liées à ça. Donc je veux faire des vidéos un peu quali quand même, tu vois, montées et tout, avec plein d'indications, plein d'informations et tout ça, tu vois. Donc il faut que j'envoie un maximum au niveau des commandes sur le bot pour que... Shizukane, il a pas mis, donc ça veut dire que c'est à nous. Pour que à chaque fois, on puisse retrouver à chaque fois facilement la vidéo et pouvoir faire carrément une nouvelle section sur Discord et que j'organiserai. Alors il faut que je finisse de faire ce que j'appelle le plan de route, d'accord? Donc ça va être tout le parcours que je vais faire dans un certain ordre, d'accord? Parce qu'on va faire le truc de manière structurée, tu vois. La personne, elle suit simplement le guide et elle pourra faire tout le jeu. Et dès que j'ai fini ça... Bah n'importe qui, déjà ne serait-ce que vous checkez le plan de route, déjà ça va vous aider les gars. Le simple fait de le lire. Déjà vous allez apprendre plein de choses. Je pense. Après bon, il sera pas définitif, il sera définitif quand j'aurai fini... quand j'aurai fini de faire le périple. Il y aura peut-être des trucs à rajouter entre temps, tout ça, mais bon, il faut déjà faire une base. Bon, on a drop un gold mais pas le bon. Ah. Attends, mais personne n'a eu de gold pour le moment, mais c'est quoi ce jeu en fait? Rien, mon ref. C'est quoi ça? En plus, sur une intacte. Oh, je souffre de notre gueule. Est-ce que j'ai cursed? Aïe, aïe, aïe. Non, mais si les trois teams. Écoutez-moi bien, les gars. Si les trois teams ne drop pas de gold, je donne 300 plates à tout le monde. Voilà. C'est pas censé arriver les gars, je suis pas censé perdre ce pari. De 3 teams, 6 reliques chacun, personne n'a de gold, c'est pas possible. On est à la moitié là, on a rien drop. Oh. Ah nous on fait que des HBP frérot. Ouais. Pas juste pour faire un coucou tonton, je vais aller dormir, je suis KO avec le taf, des bisous et bonne soirée, bon stream, des bisous Miser, passe une très très bonne soirée, repose-toi bien mon frérot et encore un grand merci pour tout ce que tu fais poto, c'était juste incroyable Miser. Je t'embrasse très très fort, repose-toi bien et je te dis à très très vite copain, à très très vite. Et comme d'habitude dans les commentaires des vidéos hein, parce que t'es un des plus actifs poto. Miser les gars c'est mon gars sûr, hein. C'est mon gars sûr. Salut à Shadok, comment tu vas Shadok? Bonjour à Ikowa je pense. J'ai envie de me faire un new compte sur Warframe vu que j'ai passé trop de temps sans jouer. J'ai la flemme de repartir sur 500 heures de trade pour avoir des plates et acheter des places. C'est vrai qu'au début, c'est chiant Aksu. C'est le début il est relou là-dessus. Je disais quoi, papy, parce que j'ai oublié. C'était quoi la conversation? Sur le petit-déj, attends, si t'es encore là-dessus, ça remonte à loin. Drop. Ah bah enfin. En
exemple, s'il y a quelqu'un dans mon groupe qui a dit je sens que celle-là elle va drop. Ah bah voilà, parfait. Allez, Team Din Din. Et il reçoit T3. Ok, Askemis, incroyable, comment elle va, imagine copine? 15 mois, la popo. Imagine 15 mois. Comment tu vas, copine? Est-ce que tout va bien pour toi, ma petite Askemis? Merci pour le sub T3, 15e mois. Et te ruine jamais, hein, Askemis. Hein. Tu sais, je t'aimerais pas moins si t'enlèves le T3 pour mettre un T1. Hein. Je te le dis. Hein. Je t'adore, hein. merci infiniment. Hein. Merci infiniment. T'es adorable, Askemis, vraiment. Hein. T'es beaucoup trop gentille, Miss. Hein. Est-ce que tout va bien pour toi? T'es moins malade? T'étais très malade pendant un moment, on m'a dit. On m'a dit là c'est peut-être la fin. Hein. Askemis, le rhume là, elle est en train de se faire soulever par un rhume. Hein. Dans tous les cas, ils ont eu le gold. Dans tous les cas, ils ont eu le gold. C'est déjà pas mal. Là, je leur ai mis un petit 1. Bonjour à Anyways aussi qui est là. Comment tu vas, Anyways? Exalius. Ça va, on est là. Bah moi, ça va impeccable. Hein. Ça va impeccable. Ouais, j'ai la grande forme. Aujourd'hui ouais, je peux soulever tout ce qui bouge, ouais. Ouais. Bon, attention. Tu as dit que si... Vous ne gagnez pas de... Je donne à tout le monde... Ah ouais, d'accord. Là, toi, tu pensais à tout le chat, tout le monde 300 plates. Attends, ça fait combien? GG, il a la dalle des platas. 300 x 100. 3000, 30 000. X 2, ça fait 60 000 plates. J'ai pas assez de trade, hein. J'ai pas assez de trade. Faudrait que je monopolise mes trades pendant 10 jours. Faire des pompes, ah ouais, putain. Ouais, j'aurais pu dire ça, genre je fais 100 pompes là tout de suite. Je pense que les gens ils préfèrent. Hein. Non. 30 pompes par... Ou alors 30 pompes par viewer. Celui-là je peux le mettre en point de chaîne. Hein. Genre sur un instant T je dois faire 30 pompes par viewer, mais bon pas direct tu vois, mais genre petit à petit j'ai un compteur tu vois, je remets un compteur. En point de change, mais pour 1 million de points, 30 pompes par viewer. Oh. Ça fait 10. Hein. Ah bah le goal, il veut pas sortir. 100, ça fait 2000 pompes. Pour 1 million de points. Bonjour à Polymew, comment tu vas Polymew? Je vous jure, ça va mieux. Ah bah c'est tant mieux Askemis. Ce soir Overwatch si tu veux Askemis. Y a Boubou qui est venu tout à l'heure, elle a dit ce soir Overwatch. Ça fait combien de temps que tu joues à Warframe? Depuis 2018, Twixie. Depuis... Il y a des gens qui se reconnaîtront, Twixie. Il y a des gens qui se reconnaîtront. En 2018, Poto, lorsqu'il y a eu la fin de cette fameuse extension, comment elle s'appelait déjà? Légion. Il y a eu la fin de Légion sur World of Warcraft. Et pendant 2 semaines, il n'y avait plus rien dans le jeu. Tu pouvais que pexer des persos. Tu pouvais rien faire. Tu n'avais rien, strictement rien. Ils ont enlevé les mêmes plus, ils ont enlevé les raids, ils ont tout enlevé, tu vois. Pendant 2 semaines, qui fait ça, les gars? Genre pendant 2 semaines, on n'a plus de contenu, les gars, vous pouvez que pexer des persos. Et du coup, tout le monde s'est barré sur d'autres jeux, tu vois, le temps que la nouvelle extension arrive. Bah écoute, frérot, ça faisait plus de 10 ans hein, que j'étais à fond sur World of Warcraft. Plus de 10 piges, hein, les gars, hein, que je jouais genre au moins 5 heures par jour, même si je travaillais, les gars. Mes 5 heures par jour de World of Warcraft, ça y allait, hein, d'accord? Et j'ai découvert Warframe. Eh ouais. Et je me souviens, les gars, que je voulais pas reprendre WoW. Il y avait l'Unvault de Rhino à ce moment-là, les gars. Donc c'était, je sais plus, je crois que c'était pendant l'été, été 2018, un truc comme ça. Ou fin d'année, je saurais plus te dire. Je pense que si tu remontes dans l'historique des Unvault, tu verras que... tu verras le moment où il y a eu l'Unvault de Rhino et je voulais pas retourner sur WoW tant que j'avais pas récupéré Rhino, tu vois. Et j'ai fini par l'avoir. Et je suis retourné sur World of Warcraft, mais la saveur n'était pas la même, les gars. J'ai compris direct. Quand j'ai commencé à dire un truc que je n'avais jamais dit avant,
J'ai commencé à dire, les gars, ce soir, je peux pas venir. J'ai des trucs importants à faire. Je peux pas venir pour le raid. Comptez pas sur moi, tu vois. Et j'ai commencé à le dire de plus en plus souvent. Et à un moment donné, bah, j'ai juste dit aux potes, les gars, je reviendrai jamais, en fait. Je reviendrai jamais. J'ai trop aimé Warframe, en fait. J'ai trop aimé Warframe. Et moi, j'étais un putain de tryharder. Hein. J'ai fait top Europe sur le classement des MM+, sur Raider.io et tout, mais à de multiples fois, hein, les gars. Bah, j'ai toujours été, de toute façon, dans tous les cas, dans le top 10. Hein. Le top 10, il m'a jamais lâché. Hein. Et à un moment donné, bah, c'était la fin. J'ai trop aimé... Ah, oh, nous aussi, on en a eu. Hein. J'ai trop aimé Warframe, ouais, les potes. J'ai trop aimé Warframe. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens, les gars, qui ont vécu ça aussi. Genre qui ont découvert à ce moment-là, les gars, pendant ces deux semaines où World of Warcraft nous a abandonnés, hein, pendant deux semaines. Il y a plein de gens qui ont découvert Warframe à ce moment-là. Parce que moi, j'avais plein de potes, hein, ils étaient venus eux aussi. Hein. Ce qui me perturbe, c'est pas le nombre de trades, c'est le nombre de plates. Et en fait, les gars, ce qui m'a beaucoup plu, les premiers trucs qui m'ont beaucoup plu, c'était même pas le gameplay. Je vais vous le dire franchement, les gars, c'était même pas le gameplay qui m'a beaucoup plu dès le début, les gars. Il y avait plus de serveurs. Le simple fait, les potes, de ne plus avoir ce système de serveurs où tu ne peux pas être dans le même groupe que ton pote qui se trouve. Bon, ok, on peut s'inviter, on peut jouer ensemble, etc. Ok, mais les raids, tout ça, c'était un enfer, le fait de le faire en inter-serveur. Tu pouvais pas, t'étais forcément limité par des trucs. C'était un enfer, le simple fait de perdre ce système-là. Tu peux jouer avec tout le monde, tu peux faire des trucs avec tout le monde. Bon, il y avait des consoles, on pouvait pas jouer avec eux, mais... Ce simple fait-là, les gars, ça m'a fait kiffer. Je vais vous mettre un gold. Ah, super. Alors, enfin, on en a eu un chacun, enfin. Le truc aussi qui m'a beaucoup plu, les gars... sur Warframe et que je détestais sur World of Warcraft. Vous savez, quand tous ceux qui ont joué à WoW, ils savent de quoi je parle, c'est quand vous faites les MM+, bah, tu peux ne rien avoir. C'est-à-dire que tu as joué pendant 40 minutes. Bon, on cherchait tous les titans forgés, là. Vous rappelez de ça, hein, les titans de forge. Forgés par les titans, voilà, forgés par les titans. Voilà, on voulait tous des stuff forgés par les titans, les gars. Les forgés par les gitans, oui. Les gars, c'était tellement un enfer pour les avoir. Bah, tu pouvais faire 5 games. Tu pouvais faire 5 games et t'avais rien. Voilà, t'as joué, t'as rien eu. Warframe, tu joues 2 minutes, t'as un loot. Alors, pour beaucoup, bah, c'est pour ça que ça me choque pas, hein, moi, les gars. Il hein. Y en a, ils se disent, putain, avoir un prime, un set prime, c'est dur et tout. Non, les gars, vous avez pas joué à WoW. Hein. Les gars, pour aller chercher ces stuffs sur WoW, les gars, à haut niveau, les gars, faut se casser le cul. Hein, pour des fois chercher... 3 stats de plus, hein. C'était un enfer, les gars. C'était un enfer. Et encore, bon, c'est vrai qu'avec le temps, ils nous ont enlevé les caps, les petits caps là qu'il fallait avoir par-ci par-là, là. Quel enfer c'était ça. Ils nous les ont enlevés, mais ça restait quelque chose de très très compliqué. Se stuffer sur WoW, préparer ses bouffes, ses poissons, ses trucs, ses popos, tout ça, les burst popos et compagnie, tu vois. Fallait tout le temps en avoir, fallait tout le temps farmer. Eh ouais, les gars, moi quand je suis arrivé sur... j'étais en mode tryhard farm sur WoW depuis 10 piges. Bah, bien évidemment que quand je suis arrivé sur Warframe, le farm il m'a pas dérangé, les gars. Hein. Il m'a pas dérangé. Hein. Pareil, on a eu un gold, mais pas le bon. Je te fais passer de tennis debout, stream debout. Ah, il te manque... attends, pour 1 million de points, je te fais passer 10 streams debout. Mais non, t'as tellement de points que t'arriverais à faire ça, le M. Moi, j'ai découvert le jeu quand Hydroid est sorti, ça date 2016. Quelque chose comme ça, le néant, c'était cool à l'époque. Les raids aussi, ouais, on a beaucoup parlé de ça. Hein, le fait qu'il y avait des gens... C'était habituel, les gars, à l'époque, pour les gens de rester 5 heures dans une mission, tu vois. Je veux dire, nous, aujourd'hui, bon, on aimerait éviter, tu vois. C'est pour ça que quand on fait des level cap, on les fait sur des missions où c'est rapide. Bah, à l'époque, les gars, c'était pas comme ça, tu vois. À l'époque, 5 heures, c'est la base. C'est la base. Je t'ai envoyé un even, vas-y.
Ouais, t'as pas négatif, poteau. Bon, il est jouable dans l'état, mais t'as pas multishot, t'as pas négatif. Oh, il doit être jouable, hein. Tu en tirer une bonne somme, non. Le jouer, ouais, peut-être. Tu peux le jouer, ouais. Tu peux le jouer. Mais bon, on peut mieux faire, peut mieux faire. Un deuxième gold pour nous. Ah ouais. Mais si on fait ex-aequo, qui va raquer? Bon, de toute façon, dans tous les cas, ce sera moi. Aïe, 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 la team Waka. Elle est devant. Elle est devant. Bon, nous, il nous reste... Parce que mon équipe, ils prient. Hein. Ils sont en train de... Je prends safe, moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est bien d'être pauvre, en fait. Hein. Ah, j'ai rien à perdre. C'est comme au Monopoly. Quand t'as rien dans la banque, tu payes pas. Non mais moi même Duviry les gars j'ai pas détesté, au contraire hein. Moi je trouve que Duviry c'est un très bon contenu. Et juste les 3 heures de circuit ça m'a saoulé tu vois. Et les 3 ressources que tu sors quand t'es resté 3 heures en circuit, c'est juste ça que je reproche hein. Mais sinon le contenu, le fait d'avoir mis les incarnons, 30 armes incarnons dessus, plus t'as plein d'armes de mêlée, t'as plein de trucs, non c'est les nouvelles arcanes. Duviry, très bonne mage. Hein. Très 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 bonne mage, les potes. On a que des HBP. C'est la dernière là. Ah, nous, on a encore un cycle à faire. Vous avez été rapide, nous, il nous reste encore. Bonjour à Yukia. Oh, putain, deuxième Vauban pour nous aussi. Eh, on va peut-être pas raquer, hein, frérot. Hop, fini. Ah, ça se réveille là, le jeu il se réveille là. Pour ceux qui l'ont pas entendu, les gars, en fait, la team qui aura eu le moins de gold, elle doit donner 300 plates par joueur. À la team qui aura eu le plus de gold. C'est pas juste, mais c'est comme ça, les gars. bonjour à Zeden, bonjour à Yasgaf et Erma aussi. J'espère que vous allez tous bien. Je viens de voir pour la beau offert, merci. Allez, celui qui te l'a offert, il est adorable. Il est adorable. Comment on sait si un mode Riven est bien? Bah, tu claques des doigts, Yas, comme ça. Hop, c'est bon, tu sais. Facile, hein? Très facile. Pourquoi on galère sur ce jeu? On galère pas. Oh yeah. C'est à qui les gars? Je sais plus. Ah ouais, t'en as plus? Mais moi je crois qu'on a peut-être raté un cycle. Ouh. Parce que moi il m'en reste un. Sneakity snack, guess who's back. Non, nous il nous en reste un. Xalius, merci pour ton abonnement, mon poteau. Un grand merci à toi pour le deuxième mois. T'es adorable. T'es beaucoup trop adorable, mon frérot. Un grand merci pour le soutien. Bah, bon, les gars, il m'en reste une. Hein. Il y a peut-être une fois où je me suis raté, je l'ai pas mis. Hein. Moi, c'est sûr, il m'en reste une, les gars. Ok. Non, mais on en fait une dernière, les gars. On en fait une dernière et j'en ai une en plus. Donc, il y a peut-être une fois où je me suis raté. Et voilà, Panda qui triche. Bah non, il m'en reste 7. J'en avais 12 à la base. Il veut la thunasse. Il veut la thunasse. Il veut pas payer. Mais il va payer quand même. On va voir. Il me reste une chance là. Hello Panda, hello le chat. Enfin pris le temps de setup à l'Eka Frame. Nice. 20 minutes après, j'ai vendu pour 300 plates. Encore merci pour les conseils. Bah avec plaisir, poteau. C'est bon ça, 300 plates comme ça. Bah voilà, ça il faut le faire tous les jours maintenant, Hermas. Si tu fais ça tous les jours, 300... Alors, 300 plates c'est beaucoup. Si tu fais déjà 100 plates tous les jours, poteau, t'achètes tout le jeu très bientôt. Tout ce qui te manque, dès qu'il y a une frame que t'aimes bien, elle est pas disponible en jeu, t'emmerdes pas, va l'acheter. C'est pas des sommes de ouf, hein, les gars. Je crois que la frame la plus chère actuellement, c'est Vauban, je crois qu'il a 170 plates, un truc comme ça. C'est que dalle, hein. Et il y a le glaive. C'est possible que ce soit Hydroïde, ouais. C'était Vauban, Sarin. Ouais, possible. Et le prime le plus cher actuellement, c'est le glaive. Mais bon, c'est le deuxième, le deuxième plus cher, il est très loin du glaive. Hein. Le glaive, c'est vraiment une exception, les gars. Bonsoir à Pindu. Salut à toi, comment tu vas? Du vieil c'est bien, mais je parlais du fait que tu n'as pas loot
Il n'a pas de loot. Ouais, non, c'est ça, c'est le gros point noir que je donne à Duviry. Hein. T'as presque pas de loot en fait. Et ça, c'est un truc. Moi, j'adore avoir des loots. Autant qu'ils augmentent la quantité qu'il en faut, tu vois, au lieu qu'il en faut 30 ou 60, bah il en faut 1000, mais tu m'en donnes plus. D'accord ? Tu m'en donnes plus, c'est tout. Ça reviendrait au même, mais c'est juste que, bon voilà, on sort et il y a de meilleurs chiffres, quoi. Alors, ok, je suis matrixé. Ok, c'est vrai, je suis matrixé, les gars. Mais c'est comme ça. Je pense qu'il y a plein de gens, ils raisonnent comme moi, tu vois. Bonjour à Bébé Plume, dis-moi que je suis magnifique. Mais bien sûr, tu es magnifique, mon Bébé Plume. J'espère que tu vas bien, mon poteau. Ça fait longtemps, mon Bébé Plume. Coucou Panda, comment s'est passé tes vacances? Bah, très très bien, mon poteau. Très très bien, ressourcé, en pleine forme. On a beaucoup bossé. Les gars, je suis rentré de voyage. J'ai fait peut-être 9 heures de route, les gars. 9 heures de route. Je suis directement allé sur le PC, j'ai pris connaissance de tout ce que j'avais à faire et j'ai recommencé à bosser direct. J'ai fait mes petites miniatures, j'ai fait mes trucs, on a continué à bosser sur plein de trucs. Et je remercie toutes les personnes avec qui je bosse, hein, parce que on fait énormément de choses en ce moment. Ah, je me suis remis dedans, les gars, de ouf. J'ai quand même été checker au passage, les gars, si le dernier épisode de Squid Game, les gars, il était sorti ou pas. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens, ils sont dans ma situation. Les gars, Squid Game, là, la série qui vient de sortir, je parle pas de la version coréenne. Et là, ils ont fait un Squid Game grandeur nature, d'accord, avec des vrais joueurs et tout ça. Bon, il les tue pas, hein, d'accord, pas... il les bute pas, tu vois. Mais franchement, les gars, c'est énorme. C'est full trahison. C'est full coup de couteau dans le dos, d'accord ? Mais c'est trop bien. C'est trop, trop, trop bien. Et là, il y a le dernier épisode qui va arriver là, très prochainement. Mais ils ont fait un truc, les gars, zéro physique. Le physique ne compte pas. C'est vraiment... Vous pouvez pas... Vous regardez toutes les personnes qu'il y a au début et tous ceux qui vous semblaient être des favoris, vous vous direz... Là, quand vous aurez fini les deux parties, vous vous direz, putain, ces mecs-là, ils y ont trop cru parce que jamais ils seraient arrivés jusque-là. C'était impossible. 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 C'était le plus... c'est que les plus vicieux, les gars. C'est que des vicelards. C'est que des vicelards. C'est incroyable. C'est vice sur vice. Ah, regardez-le. J'ai regardé 15 minutes, ça m'a gavé. Ah non, non, non. Kekou, regarde. En fait, les premiers profils qu'on voit, tu vois, ils sont pas à l'image des situations que tu rencontres dans la deuxième partie, tu vois. C'est pas pareil. Parce qu'ils se rendent compte que il faut en avoir là, tu vois. Il faut en avoir là. Je finis dans combien de temps ? Vers 20h, un peu plus de 20h, je pense. Enfin, c'est ma dernière. Il y a la route, okay. Juste après, là, on a fini. Allez. On va voir quel team gagne. Oh, là, je vais devoir raquer fort. On va devoir raquer mon Waka si on fait ex-aequo. T'inquiète, mon gars. J'ai des ressources. J'espère que vous allez dropper, hein. Ah putain, avec 8 joueurs qui repartent avec 300 plates, les gars, ils se mettent bien. Hein. Question, tu en penses quoi de la vidéo que j'ai mise sur Media, sur Discord? Je regarderai ce soir, éventuellement, Master, je sais pas, j'ai pas vu, là je suis en stream, tu vois, je verrai ce soir. C'est quoi, dis-moi juste le sujet, Master, c'est quoi le sujet? Bonjour à Scarcrow, bonjour à Dedelirium, bonjour à vous les potes. Faut un gagnant pour la prédit aussi. Trop télé-réalité et trop de blabla. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Là-dessus, c'est vrai. Mais moi, j'ai bien aimé, moi, les gars. Moi, j'ai trop aimé. Ça m'a donné de bonnes sensations, tu vois. Genre, les coups de couteau dans le dos, je déteste ça, les gars. Moi, je suis quelqu'un... Je déteste la trahison. J'aime pas... Enfin... Je suis quelqu'un que tu peux traumatiser en le trahissant, tu vois. D'accord ? J'avais vraiment mal en voyant certaines trahisons, mais quand tu vois les micmacs que chacun font, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop.
Avoue que tu pensais que le fils avec sa mère... Ah non, mais attends, il faut pas spoil. Il y a peut-être des gens qui regardent Monégas. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu, qui veulent le regarder. Il faut pas spoil. Il faut pas donner de nom, ni de description, ni de... Non, il faut rien dire. Il faut laisser les gens découvrir par eux-mêmes, on spoil pas. On en parlera... Peut-être en vocal, tu vois. Peut-être en vocal à l'occasion, les gars. On se posera et on se donnera nos avis parce que... C'est de fortes sensations quand tu regardes cette série. Trop cool. Scan de la série. Trop cool alors, d'Ivoire, petite question, je viens de monter Itzal pour la réputation, tu sais où je peux trouver les mods? C'est dans l'émission, n'importe quelle mission Archwing Anyways. Dès qu'il y a un mod que tu coinces, tu regardes dans quel secteur il est, parce que tu vois très souvent ceux qui vont te manquer Anyways, c'est ceux sur les missions d'Archwing sur Terre. Regarde. Attends, non, c'est peut-être pas sur Terre. Ah si, il y en a une ici. La mobile défense ici, les gars, il y a des mods ici. Hein. Et vas-y en steel pass hein, si tu peux même. Hein. Parce que la difficulté, elle est pas beaucoup plus haute en steel pass qu'en normal, hein, poteau. Vas-y en steel pass et ici, t'as plein de mods. Hein. Sur Airpo. T'as plein de mods. Tu le fais 3-4 fois histoire de récupérer tout ce que t'as besoin. Je crois que les plus chiantes, c'est celles sur Terre, si je dis pas de conneries. Ouais, on attend que les gars, on attend juste que Waka il ait fini ses runs. C'est la fin d'Arico là. C'est ouais. Ils sont en train de faire la dernière, les gars. On est d'accord que c'est toi qui les donne les 300 plates par personne. Bah là avec Waka tout à l'heure il a dit je donne 1000 plates. J'ai dit, bah non, regarde, on les joue. On les joue, les amis à gagner. Peut-être qu'il les perdra pas. Ah oui, alors ça j'ai détesté ce moment, ouais. Moi ça m'a saoulé ce passage-là à Runaku. Ça m'a saoulé. Le mec il a eu son burger là, et tu lui voles. Non, les animaux. Oh le spoil. Ouais c'est du spoil. Ouais, c'est un petit spoil. Il le vole son bulgur. Le meilleur truc qui se passe, c'est juste après. Donc le truc du burger, on s'en fout en vrai. C'est ce qui se passe. On est tous d'accord, tous ceux qui ont vu la série, les gars. C'est pas le coup du burger qui est intéressant, c'est ce qui se passe juste après. Le malaise. Ah, j'ai ressenti un malaise, les gars. Le malaise, j'étais mal à l'aise sur ce qui s'est passé après le coup du burger. Non. Moi, j'aurais été un bonhomme, les gars. Moi, j'aurais été... droit dans mes bottes. Ah ouais, gros malaise. Le plus gros malaise que j'ai vu à la télévision, les gars, c'était juste après le coup du burger. Oh, le malaise. Non. Ferme ta bouche. Sois droit dans ta vie. Ça, c'est la limite à pas dépasser. Non, fais pas ça, mec. Fais pas ça. Ferme ta bouche, assume. T'as cherché la merde? Ferme ta bouche. Ferme-la. Ah ouais, non, moi, j'en pouvais plus. Des bisous, Papy Gérald, au plaisir en tout cas, plus sur Discord, ouais, ça marche. J'ai tellement peur de formater mon Itzal. Pourquoi Dark on parle Celebate de Squid Game, c'est la nouvelle série là, qu'ils ont sortie là. La version grandeur nature là. Ah, vraiment génial, mais... Non, les gars, un autre moment qui m'a généré du malaise. Le coup des... Comment vous expliquer ça? Sans spoil. Quand ils coupent les morceaux de pommes. Là, je spoil pas, les gars. Il n'y a pas de spoil, vous inquiétez pas. Vous rappelez ce moment, les gars, quand ils coupent les morceaux de pommes et qu'ils les donnent gentiment à tout le monde? Ben, vous voyez tout ce qui s'ensuit après. Ah, pour moi, c'était le malaise ultime. Le malaise ultime. Ah ouais, c'était trop. C'était trop. On n'a pas récupéré de gold. Ok. Bon, bah, poteau. Je te file 2300 plates parce que moi, je compte pas. Et je te laisse distribuer aux deux teams, ça te dérange pas? Vas-y, tu veux. Vas-y. Bah attends, on fait moitié-moitié, je m'en fous. Ah non, moi, je rigolais. Hein. Tu crois que j'allais te prendre tes plates, mon ref? Il y a égalité, de toute façon, pour la prédit. Faut qu'on fasse un truc, mon ref, pour la prédit. On peut pas la valider. Ah ouais. Donc Ah merde.
Je suis obligé de l'annuler ? On passe une run ultime pour n'importe quelle relique. Là. Premier ah, run, il faut qu'on valide. Les gars dans ma team. Les gars dans ma team, on va faire une run. On va faire une run. Écoutez, quoi qu'il arrive, on va dire que s'il y a un gold qui tombe, la team elle gagne. S'il n'y a pas de gold, c'est au nombre de silver. D'accord ? On se dit ça. Bon, moi je vous laisse bonne soirée. Des bisous, Orms. On se dit ça, les gars. On fait une run. C'est. Voilà, si tout le monde met des rads, hein, je compte sur vous. Mettez ce que vous voulez en rad. Le but, c'est d'avoir un gold. J'ai quoi ici ? On va mettre Wukong, allez. Bon, on est équipe, nous, on a FF15. On peut plus jouer là. Eh, prie pour moi. Chez le barreau, bébé plume. Chez le barreau, ouais, frère. J'ai voté pour toi. Barreau qui tire. Bref, t'inquiète, je viens de lâcher une G1, ma team, ils sont en train de mettre que du. Ouais, c'était. C'était MrBeast, Monégas. Je peux dire son nom, hein. MrBeast, bon, j'ai regardé toutes ses vidéos, MrBeast. Bon, oh, c'est très à l'américaine, hein. À l'américaine, les gars. Beaucoup de thunes, ça parle à des chiffres de fous furieux. Mais j'aime bien. A plus les losers dans mon channel là. Aïe. A plus les losers. Ah vous êtes. Bah vous êtes les perdants, hein. Je paye pour vous là. Ah ouais. Tu me dois 1300 plates. 1200. Voilà. Je paye en Riven. Non, je rigole. j'ai qu'une seule flèche. Oh yeah. C'est bon, j'en ai 5. Bah, c'est le moment de sortir 3 gold, les gars. C'est juste pour valider la prédit, les gars. Dans tous les cas, les deux teams, elles ont gagné. Ah, je peux pas spoil, mon dégât. Tu sais, avant la scène du docteur, en fait, mon dégât. Panda, tu aurais un build Voruna, dégâts grâce au quatrième pouvoir, c'est pour un mec de mon clan. Le 4, il est pas ouf, hein, KO. Hein. J'ai pas de build avec le 4, on fait rien avec le 4. Du moment où tu pousses tes games, tu joues pas avec le 4, tu vois. C'est pas giga dingue. Je pense que tu prends le build qu'on partage là, tu te dis, bah vas-y, c'est mon build pour le 4 et c'est bon, tu vois. Le 4, c'est plus un build fun, un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Sortir comme ça. En vrai, ça peut jouer, mais faut combo. 3 silver, poteau. Vous gagnez, j'ai eu qu'un silver. Ok. Allez, super. Bon, bah, c'est nous qu'on gagne. C'est nous qu'on gagne. Si tu veux vraiment un build, il y en a sur YouTube. Hein. Pas difficile à trouver. On se fait. Jin ou Waka, on se fait une run endo? GG la team Panda. GG à vous les potes. Moi j'ai trop faim là donc. Ah bah va manger mon ref. Ouais, ouais. C'est ma team, j'ai dévalidé Rainbow. J'ai dévalidé. GG les potes. Sur la lune. Bah non attends, on est déjà dans le dojo. Faites tous voyage rapide les gars, fast travel, volt ou coffre. Voyage rapide, coffre. Attendez, Live Squad, Waka, je t'invite. J'invite tous les gens qui sont dans le groupe avec toi.
Je laisse trade avec eux, d'accord. On va faire le groupe, nous, pour... On va aller faire une heure d'endo, les gars. D'accord. Allez, moi, j'y vais. Ah, merci, Moxalius. Au plaisir, mon Jinjin. Merci pour la run, hein, c'était cool. Waka, Vicious, Snake, Whippy. Tiens, je te file 2300. Attends, c'est combien ça fait? 1200, ça fait 2400, mais vu que... Attends, non, je me trompe. Non, c'est ça? C'est 2100, c'est ça? Je sais même pas à qui je dois donner ce que tu veux, en fait, j'ai rien compris. Non, mais je... J'ai rien compris. Bah, en fait, je te file... Je te file 2100 plates, et tu donnes à ta team 300 plates chacun, plus à la mienne, vu qu'on a fait pareil. Ok, ok. D'accord ? Ok, ok. Ah, j'étais en train de chercher des trucs à donner, je te filerai des trucs plus tard parce que là, je sais pas quoi te donner. Donc tu fais ça. Aro, allez, viens. Viens, Aro. Normalement, j'ai tout le monde dans le dojo là. Et là, je te donne les noms. Tu as Solalune, Dunpil. Je donne 300 à chacun. Hein. Ouais, ouais. Shizu, Kanae. Et après, ton groupe. Ton groupe, donc Vicious Snake, Whippy et Kuro, et toi tu prends 300 dans le lot.